Alors, il nous faut une grande map. Il y a des nouvelles cartes à 7 joueurs que je ne connaissais pas auparavant. À l'intéressant. À l'intéressant. Ah, il fait encore son intéressant, celui-là. Oh là là. Cocotier et Liberté. Oh, Cocotier et Liberté. Par contre, oh merde, j'aurais dû changer de nom. J'aurais dû m'appeler à l'ingénieur. Pourquoi pas l'empereur ou le duc Luxera ou le comte ou ce que tu veux. Le comte à l'ingénieur. On va dire que je suis prêt, hein. Et que je dis Bob, voilà. Alors, on va pas. Hey, on va faire un truc. Les rats, c'est les seuls à être alliés. Voilà. Hop. Les camps sont à égalité. Donc t'as les trois rats qui sont là. Puis t'as les deux gros machins. Je vais peupler. Merde, j'ai tout cassé. Ah ben bravo, ouais. Oui, vraiment, oui, beaucoup, oui. Alors. Mais c'est quoi, il y a des équipes finalement. En fait, il y a trois rats. Donc les rats, tu sais, c'est qui le rat dans Stronghold? Ouais, c'est le vieux pecno de base. C'est l'ennemi le plus pourri qui soit. En gros, il y a trois rats alliés. Et un free-for-all entre moi, toi, et puis deux gars assez balèzes. Ok. Are you ready? Ouah. Allez, c'est parti! Alors. Par contre, ils sont beaucoup trop rapides, les ennemis. C'est-à-dire que je vais jamais réussir à suivre. Oh putain! En fait, il est juste au-dessus. Oh, ils prennent déjà toute la place. C'est impressionnant, hein. Bon, j'ai. Mais du coup, j'ai pas de bois! J'ai pas de bois. Oui. Non, il coupe tout le bois. Pas assez d'ouvriers disponibles pour gérer. Je vais gérer mes pécores avec. C'est pas grave, je vais l'acheter le bois. Avec la production de fer. On achète plein de bois, plein de bois. Le bois, c'est super important en early. Pas assez d'ouvriers disponibles. Voilà, j'ai plus de sous maintenant. Par contre, il y a tellement de fer par ici. Oh là là. Ah, je suis bien content de me placer ici. Le fer, c'est tellement d'enfer. En fait, je suis à l'endroit de la map où il y a le plus de fer. Impression. Ah ouais. Et je vais en avoir bien besoin parce que. Vu qu'il n'y a pas de bois, faut que je l'achète. Pour acheter, il faut de l'or. Un vaste empire se construit. Commençons à construire notre forteresse. Oh les sous. Oh les sous. Oh oui. Ça tombe bien, moi j'adore ça le pognon. Notre belle ville s'agrandit. Trop près de l'ennemi pour construire. C'est une blague. Où est-ce que tu veux que je construise qu'il soit pas près de l'ennemi? Dans ton cul armée. Normalement tu vas avoir une petite armée de base au tout début. Ouais, enfin vite fait. Hein. Alors dès la fin du rush, il va falloir rusher les soldats. Parce que là ça va être très violent. Attention. Vite! Des soldats! Qu'est-ce que c'était le coup de pompe? Ah oui. C'est le début de la guerre en fait. Là c'est la guerre totale. Sire. Recrue nécessaire, sire. D'accord. Donc il faut entraîner des archers. Arbalétriers, montez sur les murs. Envoyez une équipe de lanciers détruire leur ferme. Bon bah j'entraîne les bois. En tout cas les rats ne servent pas à grand chose. Oh là là, c'est quoi cette ville? Ah t'as déjà des spadassins et tout? Pfff, j'ai tout moi. T'as acheté les armes? Ah non, tu les as fabriquées. Bah ouais. Attends. Je t'ai peut-être sous-estimé. T'as cru que j'étais un perron? Ah non, enfin, bien, nous avons bien de l'espace pour y établir nos fermes. Le bois, c'est le nerf de la guerre. Nous allons les disperser. Nous partons. Ancel! Tu veux jouer au Mangono? Eh ben on va jouer au Mangono, y a pas de souci. La pluie de pierre arrive. Tirez-leur dessus. Nous allons les disperser. C'est quand même bien marrant parce que les deux forteresses se tirent dessus avec les mangonos sur les tours. Vous pouvez pas installer cela ici. Un message du rat. Je vous en prie. Oh wow. Je vous en supplie. Ne me faites pas de mal. Luxera, ouais, tu as éliminé un opposant. Avec je deux fantassins. Toute la carte.
Ah! Tu me retires une épine du pied. Je te détruirai, toi aussi. Tout sera facile. Je vous en prie, je vous en supplie. J'ai tué quelqu'un ? S'il vous plaît. Ah merde ! Ah vous ! Ah, j'ai pas fait exprès, mec. Mais genre, vraiment. Ah oui, c'est les archers et... Attends, genre, j'ai mis plein d'arbalétriers au nord et ils ont buté le rat. Bon, bah très bien. Pourquoi pas, hein, après tout. L'Empire est tellement puissant qu'il vainc ses opposants tout seul. Merde, mais attends. Mais j'ai à moitié buté le général, le maréchal. Alors j'ai envoyé des bourrins, je suis allé faire autre chose, et puis quand je suis revenu... Des bourrins, du coup ce sera entre toi et moi. Nous verrons qui, on a, qui a la plus grosse armée, pour l'instant... Qui en a la plus grosse. Pour l'instant j'ai défoncé le maréchal, je pense, ouais, quasiment. Mais quoi, j'ai pas de vache. Mais... C'est la déroute. Je croyais faire des fermes pourtant. Toi t'es le mec tout à droite, ouais, t'es le mec tout à droite. Par contre, ouais, ton château est organisé. Moi, j'ai pas de château. J'ai trois murs. Il y a trois murs autour d'un. Vous ne pouvez pas installer cela ici, monsieur. Envoyez une troupe impériale. Saladin ose m'attaquer. Ah, mais il y a un rat. Putain, mais ouvrez les portes. Laissez passer l'armée. Votre popularité est en baisse. Mais oui, j'ai mis. Un message du rat. Ah, j'ai encore trop monté les infos. En avant, étriper tous ces chiens. Surtout celui-là. Enfin, c'est pas un chien, c'est un rat, mais... Je vous en prie, je vous en supplie. Ne faites pas de mal, s'il vous plaît. Un rat de moins. Hissez les couleurs de l'Empire. Il faut entraîner les connards. Plus de connards. Mais on tire sur mes hommes. Nous sommes justement en chemin. Qu'est-ce que tu vas prendre? Du bois, 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 du bois. Il nous faut donc des armures. Armure, voilà. Un peu des épées. Et encore des armures. Ainsi que des épées, mais surtout des armures. Des connards, il me faut également. Donc installer des connards un peu partout. Il me faut des... tiens, des tours, ça peut être utile. Pour la défense du territoire. Voilà, une tour pour la défense du territoire. Une deuxième tour pour la défense du territoire. Oui, d'accord. Voilà, on met des connards dedans. Oh, regardez. Un message de Saladin. Par là, le tout-puissant. Je suis un plus rude adversaire que je ne l'ai. Ah merde! Mais j'ai juste envoyé une troupe de base et ils ont déjà rasé la moitié de la ville. Enfin, tu sais, j'ai envoyé 2-3 gugus histoire de dire... ouais, allez vous occuper. Ils ont déjà rasé la moitié de la ville. Bon, bah, un empire de lumière. Je crois que j'ai pas assez d'archers. Je vais encore construire des... Le plus merveilleux des hommes dans tout le royaume, monseigneur. Adulé, vénéré par le peuple. Chargé. Embrancher ces sarrasins. Oh non, pas le feu. Pas le feu, non. La seule faiblesse. Yeah, il se crame la gueule. Mec, le feu, c'est tellement... terrible sur les armées pactées comme ça. Il veut Clément. Oui. Pourquoi? Il veut Clément. Il le veut. Tuez le suivant. Bah, on verra. il faut construire. Peux-tu entendre les corps impériaux? Ouais, l'inconvénient, c'est qu'ils produisent plus rien. Dis donc. Mais bois rien de paysan. Oh. Ils sont dans l'Empire de Lumière, or, du coup, nécessaire. C'est la goutte douce. L'armée se rassemble. Oh là là, ça ressemble tellement à rien, ton truc. Les vieux murs partout. Genre, t'as des trous dans les murs. Y aurait pas des pièges entre? Non. Dans les miens? Non. Non. C'est intentionnel. Qu'est-ce que c'est une brève à placer les murs?
des pommes, ouais. Des pommes, des pommes. Ils n'ont pas la chiasse à force de manger des pommes. Bah écoute... Chez moi, c'est alors... des bons français, ils ont du pain et du fromage. Ah. Voilà qui attaque. Abattez cette tour! Oh le vilain. Oh ma pique! Non mais t'envoies tes archers au cac pour détruire mes trébuchets! Putain mais... Bande de sauvageons! Matez-les! Matez ces sauvageons! J'ai placé mon armée impériale dans les fermes! C'est une position stratégique! Bombardez-les! Putain, ce que c'est flèche. Et la bataille s'engage! Portez armes, pique! Nous sommes justement en chemin! Je ne peux arrêter l'armée de l'Empire de Lumière! Non, c'est impossible d'y aller ici. Hein. Ces soldats ont la foi. La foi impériale. Marchez avec dignité. Oh, des pieds, j'ai pas assez d'armure sur le passage. Je crois que je vais faire quelques carrières supplémentaires. Le mec, il se fait raser sa ville. Pourquoi il meurt ? Je crois que je dois construire quelques pommerets supplémentaires. Massacrer ces hérétiques. Trébuche calcul. Crée une brèche dans les murailles. Plus vite que ça. Marche. Amenez les arbalétriers. Oh mais il y a déjà une brèche. Oh ma pique. En avant. Marche. Une brèche a été faite. Mais je ne te vois pas Luxera. Où es-tu ? Où as-tu planqué ton je seigneur ? Ah. Non mais sérieux, il est où ? D'où ton putain de seigneur? Sérieux, je l'ai caché. Il l'a planqué ça. Pour pas que je le tue. Mais n'importe quoi. Exactement. Il est où? C'est une technique comme une autre, hein, après. Il y a un endroit random de la carte à tous les coups. Putain, mais où est-ce qu'il l'a planqué, putain? Fouillez toutes les maisons! Retrouvez-le! Il est là! Je le vois! Vos désirs sont des ordres. Attrapez-le! Non! Pars-toi, débile! Cours! Et triper cet hérétique, il n'a pas voulu se soumettre à l'Empire de Lumière! Il tente de s'enfuir, rattrapez-le! Pars plus loin, débile! Arrête de te battre! Oh. Nous avons pris le contrôle du château, sire! Ah, la mésorganisation! Ah, je t'ai bien mâché le travail, hein! Nous sommes victorieux, si! Bon! Bon, t'as tué combien? T'as tué le maréchal et le rat. Bah, ça va. C'est mieux que rien. Oh. Oh, 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 oh. Ah, ah, j'étais derrière Saladin. Or gagné 40 000. Saladin 70 000. Ah! Oui! Tout de suite, ça impressionne. La nourriture. Ah, par contre, pour le faire, comme prévu, je suis le premier. Et de très très très, ah très ouais. loin. J'avais tellement de fer. Les armes produites. Le facteur peur, ça aussi, c'est pas mal. Grâce à ça, mes soldats, ils étaient plus forts. Ouais, bah voilà. Bien le bonjour, chers spectateurs. Mon maître tient à vous remercier pour avoir regardé cette vidéo exponentiellement artisanale. Si jamais vous l'avez appréciée, on voit de tout de nos jours, vous savez, vous avez son autorisation d'effectuer un coup critique sur le pouce bleu. L'abonnement est également une option stratégique recommandée. Comme le D20. Bonne chance à vous dans vos futures quêtes, et n'hésitez pas à revenir, on a de la bière fraîche. On est bien. On est bien.